tout être un cauchemar. C'est affreux. Cauchemar. Merci Jean Bambois officiel pour le prime. Salut YouTube, c'est parti pour Silencieux niveau 5. En dédicace à mon chat. Récupérer une carte aléatoire, transformer deux cartes. Perdre la relique de départ. Est-ce qu'on veut perdre l'anneau du serpent? C'est bien d'avoir la pioche au début, mais est-ce que ça serait pas mieux? Ah. Alors la clé maudite, c'est bien d'avoir 4 d'énergie, mais avant une malédiction, à chaque fois qu'on ouvre un coffre, ça c'est un peu plan cul. Je crois qu'il y a un magasin derrière ce coffre-là. Donc peut-être que ce coffre-là, c'est celui qu'on va viser, c'est le coffre de votre vie. Mais le problème, c'est que ce magasin-là, il y a deux élites avant. Tandis que là, on a un magasin, un feu de camp. Il est possible d'éviter tous les élites, mais c'est pas hyper glamour non plus, hein. Annuleur d'Excar. Il y a des cartes différentes à connaître, tout à fait. On va commencer là et on va voir. Putain, ça fait drôle, hein. Ça fait drôle de retomber sur cette classe de ces morts. Bon, le 4 d'énergie fait plaisir, hein, quand même. Bon, par contre, pas de heal avec la silencieuse. C'est pour ça qu'on est bien content quand même d'avoir... d'avoir tiré au moins une relique qui nous permet d'avoir de l'énergie en plus. La cape et l'épée. Alors le problème c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas encore. On ne sait pas si on va jouer sur un. Par contre, attaque suprême c'est une bonne AOE. On n'a pas d'AOE. Savoir-faire c'est un bon pouvoir. À chaque tour, on repioche une carte en plus et on en s'en débarrasse d'une. Vu que j'ai un d'énergie en plus, je vais prendre le savoir-faire. Merde, oui. C'est dégueulasse. Donc voilà, début de tour, je décide par exemple que oui, connard, je me débarrasse de cette défense. Ah non, c'est juste j'en pioche une, ouais d'accord, et j'ai envoyé la défense à la pioche, ok. Good. Très bien. Éviscération coûtant d'énergie en moins par carte défaussée ce tour. Ah, en sachant que dès le début du tour, je défausse une carte. Mais c'est tout pour l'instant. Inflige 6 dégâts 3 fois, oui c'est fort. Fléau, pour l'instant on n'a pas de poison. Salto, armure et pioche. Toujours efficace même si on l'a pas en version plus. C'est quand qu'on va avoir du poison? Retirez une carte de votre deck. Ok, ça c'est vrai, c'est génial. Maintenant faut décider ce qu'on en fait. Est-ce que je commence à retirer des frappes? Non, en vrai... C'est bien de retirer quand même, ça coûte cher de retirer. Transformer, ça m'intéresse pas trop. On pourrait transformer une frappe et essayer de chatter un Noxious Fumes ou autre chose. On peut tenter le deck des fausses, ouais, ouais. Ouais, ouais. Des bisous à Tupac and Notorious du Québec. La silencieuse, elle est beaucoup moins dans le build force et attaque puissante. Avec la silencieuse, en général, ouais, on essaye de jouer défense poison ou sur un surpuissant et défense. Ou ouais, partir sur des dynamiques bizarres en défausse ou en exhaust. Ouais, ouais. Bon, on essaye de chatter la vie. C'est un peu nul de chatter la vie. Hein. Transforme cette frappe. Image miroir, c'est bien. Pas en plus, mais quand vous jouez une carte, gagnez un d'armure. En version plus, c'est quoi? C'est elle coûte 0. Non, elle est innée. Et c'est pas mal, on a 4 d'énergie. On peut partir sur image miroir. Ok. Très bien.
C'est sérieux ça? Visiblement sérieux. Oh, bon, d'accord. Peu importe, j'ai 4 d'énergie, je l'oublie. Ah merde, ok. Attention, ça c'est ce qu'on défausse au début. Malaise, lol! L'attaque gratuite, piocher une carte s'il s'agit d'une carte compétence, gagner 3 d'armure. C'est une pioche gratuite qui peut nous faire gagner de l'armure. Oui, mais on va avoir trop de cartes encore. C'est quoi quand on l'augmente? C'est gratuit. Ça c'est inné. Ok. C'est fort hein, quand même. C'est bien image miroir. Alors, on pioche. C'est un skill donc je gagne de la défense. Hop, hop, tac, tac. On joue des cartes, on joue des cartes. Criblé de trous, inflige 3 dégâts 5 fois, lacération rapide c'est mieux qu'un strike parce que ça pioche. Fléau, on a toujours pas de poison hein. Je suis un petit peu décontenancé. Est-ce qu'on va se taper cette élite et on le regretter à tout jamais? En vrai j'ai des bonnes cartes de défense mais j'ai aucune carte d'attaque. Si je tombe sur le rouge je suis mort 100%. Du coup on va prendre l'ennemi normal. Cribi, mais oh là là, je pas d'AOE, oh là là. Oh là là, 9. Oui, c'est vrai que ça me rend frêle. Putain, mais quelle vie de merde. Donc tout hein, c'est beau. N'a pas fonctionné. Et il perd le ballon. Et il perd le ballon. Il perd le ballon. Voilà, aussi l'autre problème de la silencieuse, c'est que si vous trouviez que le jeu était long, là avec la silencieuse ça prend tout son sens. Alors que Sleepy, on est à 55 ans de subs. Alors. Incroyable. Je sais pas quoi en faire ce... En vrai là, je pense qu'il... Frappe sournoise à améliorer peut être pas mal vu qu'on a le pouvoir qui nous permet de défausser un truc. Mais pour l'instant on a que ça, on n'a pas encore acrobatie ou le sac de... Enfin on n'a pas préparation. Fléchette est fort parce que j'ai beaucoup de défense et de compétences du schnapps. Donc ça me ferait une attaque mais est-ce que... Enfin ouais. Fléchette en vrai est pas dégueu mais pour amener un max de pioche. Pas évident hein. Hop sournoise et free, ouais si j'ai non. On me donne le crâne de... Ah oui putain, faut pas que j'ouvre les coffres. Par contre, on me donne le crâne de G-Cobra, du coup, il faut qu'on joue poison maintenant.
C'est beaucoup trop fort. Lorsqu'on applique poison, on applique à chaque fois un poison supplémentaire grâce à ça. Putain, mais quelle vie. Quelle vie, quelle vie. Yves, quelle vie. Redonne du sens à ta vie, quoi. Ça, c'est super fort, le bracelet. Les salles points d'interrogation ne contiennent plus de monstres, mais si elles comptent, si elles ont des coffres, c'est la merde aussi pour nous. Panache, chaque fois qu'on joue 5 cartes dans un tour, 10 dégâts à tous les ennemis, c'est quand même très fort. Hein. Coup de genou est un classique, on a une malédiction enlevée. Je peux pas prendre panache si, si j'enlève la malédiction. Et plus avoir de combat sur les salles de pif, c'est fort. Hein. Très très fort. On est qu'au premier étage en plus. Truc anti-malédiction est fort. Oui, ça me permettrait de prendre les deux prochains coffres sans m'en occuper. En fait, c'est à cause de la clé maudite. Elle me permet d'avoir 4 d'énergie au lieu de 3, mais à chaque fois que j'ouvre un coffre qui n'est pas un coffre de boss, j'obtiens également une malédiction. Mon panache est tentant, flou est tentant en vrai. Ah oui, j'ai savoir-faire, c'est vrai. Alors, on a envie d'enlever Strike, mais. Alors, oui, je pourrais prendre Flou. Je pourrais enlever un Strike. Ouais, je vais prendre Flou quand même. On veut toujours pas affronter d'élite, c'est vrai. Ça revient au même, ok. Donc flou qui me permet de conserver mes 14 d'armure. Ah bah tant mieux parce qu'il m'a fait son truc de c'est mort, enfin ça changeait en vrai. Hein, toute mon armure est partie là? Parce que... Putain mais j'enlève défense alors que j'ai les fléchettes. On m'appelle le roi des connards. C'est bon. Ah oui, alors du coup, c'est vrai. On a le crâne. Du coup, on aimerait jouer poison. Mais comment on va le jouer? C'est pas obligatoire, hein. Mais poison mortel. Écoutez, poison, c'est une compétence. Donc, ça combotte avec fléchette. Ça va être l'argument nul pour... pour tout prendre. Si, c'est 5. Putain, mais quelle vie. Tout fait à l'envers, mais c'est pas grave. Attends, le mettre sur lui. Ah, mais non, mais c'est vrai qu'il y a cette histoire de je suis con. Mais oui, il y a cette histoire de mon crâne. Grâce à mon crâne, je vais mis 6 et pas 5. Mais oui, bien sûr. Amnésiman. 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 Eh oui, la relique, bien sûr. Ah! Hop, on enlève la maladresse, en effet. Et ça marche. Ah oui, j'avais pas vu que j'avais 30 de défense. Un peu overkill. Et ça marche. Ok, terreur, c'est fort. Déflagration, des terreurs plus, elle coûte 0. Déflagration, évidemment. Jouer les compétences 1000 fois. En l'occurrence, là, ça servira à quoi? Plan d'évasion, ouais. Flou, enfin, burst, c'est fort, c'est toujours fort. Discard pas les cœurs, elle s'épuise. Ah!
Eh oui, eh oui. Envenimement, ouais, ça serait très fort. Ah oui, non, mais je suis con, c'est la maladresse la plus cool en fait. J'avais oublié. Épuisement, à chaque fois j'oublie que c'est ça. Je pensais que c'était. À chaque fois je me dis que c'est une altération à la vulnérabilité, pas du tout. Bon, je vais prendre le burst, hein, mais beaucoup de gens me diraient, mais Terreur, c'est la carte la plus forte du jeu, t'es un con. Ça, c'est une relique qui fait mal et qui fait chier. Enfin, c'est une malédiction qui fait mal et qui fait chier. La relique est tentante, mais je vais plutôt récupérer mes pèves et upgrade ici. Et du coup, upgrade quoi? Burst. Vos deux prochaines cartes se jouent deux fois. C'est plus d'armure. Le poison, c'est plus de poison. Salto, c'est plus d'armure. Fléchette, c'est plus de dégâts. Pas sûr. Quoique j'ai 4, donc j'aurai les occasions d'en profiter de cette merde. Il va me mettre la misère en fait, hein, by the way. Je vous annonce qu'il va mettre la misère. Hop, ouais non. Combien il m'envoie là dans le fion? 38 quand même, hein. Enfin moins du coup. La merde, j'espérais le flou. Bon allez, c'est plutôt pas mal si je peux lui mettre pas mal de dégâts vu que là il va prendre 16. C'est considéré comme une carte de statut, donc ça va pas compter. Elle s'épuise. Bah du coup fléchette. Fléchette est useless. Bon, grâce aux 16, ils vont se séparer. Il va se séparer, mais ouais. On a connu mieux, hein. On va vraiment se faire chier, hein. Je vous annonce qu'on va vraiment se faire chier. C'est assez impressionnant. Je trouve ça assez dingue. Incroyable. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, le stream est rip. Ah, je sais pas pourquoi. Putain, il y a ma box qui fait encore de la merde. Maintenant, mmh. Pourtant. Peut-être Twitch. Ok. Alors. Ah oui, putain, on prend cher là, les amis. Les petits amis. On prend cher. Ok. Oups. Déconnecter, reconnexion dans machin seconde. Ouais, c'est fou. Hein. Bon, faut que ça cesse. Hop. Ah, c'est heureux, ok. C'est bizarre, OBS, il essaye seulement de se reconnecter tous les 10 ans et demi. C'est un petit peu la déception.
Deux tours de flou, c'est plutôt cool. Au lieu de se reconnecter vite... Si, si, j'avais remarqué, hein, j'avais remarqué. Ne vous inquiétez pas. Hein. Mais c'était pas désagréable. Quel crénat. Vous m'avez vraiment manqué, mes petits Zemmour. Pendant ce moment où j'étais offline. Ça me fait plaisir de vous retrouver, les petits Zemmour. Belle Z Sleepy. Ah oui, 50-50, tier 3 en plus. Hein, j'avais pas précisé. Ah, DFG, des bisous, merci. Et merci DZ Wiggle pour le Prime. Petits Zemmour. Non, j'aurais dû jouer l'englué. Parce que là, il est fini, mon flou. Flou de toi. Ah bah non, je l'ai encore, non? Les 12 persistent? Ouais, tout à fait. D'accord, et c'est quand que... Genre... Heureusement qu'il y a un peu de poison. Tu dois confondre poison et poison. Ok. Ouais. C'est du génie. Allez, ils sont. Regardez-le comment ils sont kawaii. Kawaii. Ça a mis 40 000 ans. Hein. Bullet time. Impossible de piocher ce tour. Les cartes dans votre main coûtent 0 ce tour. Ah bah, enveniment. On en parlait d'enveniment. De ces morts. Même si double image miroir, c'est glamour. Par contre, enveniment, faudra l'augmenter assez vite. Du schnapps. Du schnapps. Du méga schnapps. L'œil de Gecko Bras. Alors oui, c'est rigolo, on pourrait jouer full Gecko Bras, mais c'est trop l'enfer. Donc c'est confusion, hein, le coût des cartes est randomisé. On n'a pas des cartes qui coûtent très cher, donc ce serait une catastrophe de jouer ça. Par contre, on peut prendre Planétaire et essayer de choper des bons trucs. Ou se dire on veut des potions à chaque combat, ce qui n'est pas dégueulasse non plus. Hein. Mais... bon allez, je vais prendre ça, pour rigoler. Alors. Planification, c'est fort. Préparatif, c'est très fort. Deux préparatifs, je suis pas sûr. Repoison mortel, donc avec Burst, c'est pas dégueu. En fait, je vous avoue que je fais tout ça dans un seul but, celui de trouver... Genre, putain, explosion morbide, oui, c'est fort, mais pour l'instant, on a enveniment et un poison mortel. On n'a pas de Noxious Fumes et machin. On peut prendre les plans d'évasion, c'est gratuit, hein. Mais ouais, pour enveniment. On va reprendre un sac, c'est sûr. Ouais. À quoi que du coup, il y a l'AOE de ces morts. Tellement joué sur un là. Ok, on va prendre plus de dagues. Poison mortel. Plan d'évasion. Et là, je prends rien, je crois. Fléau combat de bien avec enveniment. Ah oui, c'est vrai. Si l'ennemi empoisonné, infligez 7 dégâts de nouveau. Oui, ça remplace un strike, mais... J'ai tellement trop de cartes, déjà. Quoique, c'est un petit peu notre spécialité d'avoir trop de cartes. Allez. En vrai, j'aurais pu prendre l'explosion morbide, du coup. Comme un connard. Comme un connard, comme un connard, comme un connard. Comme un connard. J'ai pas beaucoup d'argent. Ah d'accord. On passera par un élite quoi qu'il arrive. Hein. Pas besoin d'espérer une issue heureuse. Tout sera dégueulasse. Voilà. Festival du pif. Oh, incroyable.
Allez-y, du deuxième niveau, oui, on risque évidemment de pas kiffer la vibes. Tant pis, on leur piochera du coup. Ah oui, c'est vrai qu'il fait ça. Ça rase de ses mains. 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 Voilà, on se met des hébétements partout, on est content. Voilà. Ah oui, et j'utilise ça avant fléchette. Grand moment de gaming. Vous aimez les grands moments de gaming? Merci. Ah oui, j'ai pris le jus du bracelet, c'est pour ça que je les piffe. Oh là là, mémoire de poisson rouge. Enveniment. Oui. Pluie de ses morts. Pluie de ses morts. Voilà, ben oui. Pluie de ses morts, bien sûr. Merci à tous. Mais non, pourquoi je fais défense? J'oublie que ça crée des cartes de merde. Cartes de merde. Cartes de merde. Ah. Même on s'en fout, faut que je floute quand même. Hein. C'est la dépression, mais faut que je fasse ça. Hein. Allez, full poison, 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 toujours plus de poison. Et normalement, il meurt à ce tour-là et j'aurais juste perdu la moitié de ma vie. Ah non, il meurt pas. Voilà. Et là, il est mort. Finalement, j'aurais perdu peu de vie. J'espère que vous appréciez le spectacle. Pour l'appel, j'y mets plein de poison. Parce que j'aime bien vous faire plaisir. Vous êtes un peu mes petits émois. Mise en place. Placez une carte de... Coup de zéro avant d'être joué. Poignard empoisonné. Crible. Criblé de trous plus. 4 dégâts 5 fois. Ah oui, et du coup 4 fois poison, c'est ça? Non, 5 fois poison. Tu dois confondre poisson et poison. Ah. Et si on a veniment en plus? Ah. Mais allez, toujours plus de cartes. De toute façon, on est mort dans 2 tours. Pourquoi s'énerver? Ah oui, du coup, l'élite, sans avoir pris feu de camp avant, quelle ambiance? On est mort. J'aurais adoré prendre le bouquin, mais là je peux pas le lire. Je peux pas le lire, sinon je vais mourir. Je suis cocu mais content. Ça rase de ses morts. Ça rase de ses morts. Tant qu'à faire. Voilà, comme ça on fait tomber ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le poison. 11 x 2. Ah ouais, il fait ça au bout d'un moment. Ah oui, mais il m'a rendu frêle. J'oublie qu'il me rend frêle. Ah ouais, ma vie est tellement nulle. Je m'en fous, je jette comme ça. C'est un combat à l'épuisement qu'on est en train de créer, c'est ouf. Je vous jure, là, on est en train de créer une performance absolument hallucinante. C'est un grand plaisir de gaming. Enveniment me sert à rien parce que il a 54 d'armure et ça marchera pas tant que on est dans l'armure. C'est un grand moment de gaming qu'on est en train de vivre ensemble. Vous aimez mon moment de gaming? Alors ça sert à rien, mais j'ai quand même le faire pour vous faire plaisir à vous les gamers. Ça rase de ses mains, ça rase de ses mains. Ça rase de ses mains, ça rase de ses mains, ça rase de ses mains. Bien. Alors oui, je pourrais utiliser ma potion de force un jour. Mais je vous respecte trop quand même. Je vous respecte trop pour vous faire ça. Easy. Ah bah voilà. C'est bien de la merde. Ça rase de ses mains. Ça rase de ses mains. En vrai...
Alors Fléchette est sympa, mais est-ce que j'ai pas plus intérêt à essayer de piocher quelque chose de mieux et à tout banquer sur le poison? Ah, c'est un défense qui arrive. Ça reste de ses mains. Bon, c'est pas grave. Ça reste de ses morts alors. Un deuxième main. Mais voilà, on se défend et il est mort en deux tours. Ce deck en 54 cartes marche à merveille. Merci à tous. On repropose Fléau. Ah bah voilà une AOE. Défaussez une carte aléatoire de votre main. 14 dégâts à tous les ennemis. Voilà, histoire de... c'est notre 27ème carte. C'est vraiment un deck très très spécial. C'est une vidéo un peu spéciale. On sait qu'on n'aura jamais d'ennemis sur une, un point d'interrogation. Mais je vais prendre le magasin. Oh le pansement, oh Terry. Oh la flasque. Oh le chaussetrap. La boule magique. Oh. 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 Et regardez, vous êtes prêts? Poison mortel ou chausse-trap? Ça... Bah je peux quand même enlever une carte. Ou bien je prends poison mortel. Et là vous dites, putain c'est vraiment le dernier des connards. On enlève un strike. Bon. Gagner un intangible, épuisement éthéré. Ouah, je connaissais pas ça. Ah oui, intangible, c'est comme ce que nous fait un des ennemis d'élite du troisième monde. Au nom ou de ce monde-là d'ailleurs. C'est-à-dire pendant un tour, on ne peut perdre qu'un PV. Mais c'est nul à chier. En plus, elle est éthérée, c'est-à-dire que si on l'utilise pas, elle est morte. Truc le plus broken du jeu. Trop fort ça. Quand tu l'améliores, ça enlève l'éthéré. Ah oui, là d'accord. Oui, mais si on la joue, on est obligé de la jouer dans l'état en fait. Ah, tu peux les accumuler. Intangible, c'est en fait. Pendant le tour où c'est actif, on ne perd que 1 point de vie. Peu importe si l'ennemi attaque pour 80, on perd 1. Mais 50% de mes HP, c'est la mort en poule. Ah, on obtient 5, j'avais pas vu, d'accord. Ah mais ça c'est surpuissant, ça serait surpuissant si on avait la relique qui upgradait nos compétences quand on les obtient. Mais dans un deck à 27 cartes, ça sent un peu la bite. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'on affronte un ennemi d'élite là, incoming. Alors, c'est parti. Ça rase de ses mains. Pourquoi j'ai pas joué ça avant? Je me déteste. Quel con. Oh là là, c'est trop. Ah mais ça se cumule. Ça, là, si je l'utilise, on est d'accord que je suis. Voilà, j'ai deux tours d'un. J'ai deux tours. C'est génial. Ok. Putain, j'aurais dû prendre le truc qui renvoie les dégâts. J'aurais été invincible. Ça race de ses morts. Ça race de ses morts. Ça race de ses morts.
On a envie de faire envenimement, mais en vrai. Faut rester frais, quoi. Faut que j'arrête, parce que si je pioche le truc, faut que j'arrête. Taras de ses mains. Ah ouais. Donc là j'ai 5 tours où je perds qu'un HP quoi. Oh. C'est fort. Ça rase de ses mains. Ça rase de ses mains. En vrai faut genre avoir l'encre en relique en plus, des trucs comme ça pour passer le premier tour. Et beaucoup de repioches, faudrait des acrobaties et des conneries comme ça. Incroyable. Bah en vrai, sans ça, on n'aurait jamais gagné ce fight. Ah, creuser des reliques. Ok. Bon. Ah, en fait, upgrader, c'est juste les dégâts qui augmentent, elles coûtent quand même 2. C'est juste à la rendre gratos, quoi. Je défausse tout le temps. Ça dépend. Ouais, allez. Ou bien je reprends une flasque. Ça rase de ses mains. 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 Moi je sais que vous aimez. On a souvent gagné avec des decks à 72 000 cartes. Bonne nuit Zigzig. Merci Dormouza pour le sub, désolé. Et Dizwiggle, on avait dit. Le streaking sur le jeu m'écoute pas. 32 cartes, ça commence à se voir. Bon en vrai, non, allez. Ça reste entre nous, hein. Alors. Bon, du coup, on pourrait augmenter nos cartes. Genre upgrader bah, nos apparitions. Ou machin. Mais en vrai, on pourrait, oui, la flasque. Ou l'enveniment qui passerait à 1, ça c'est fort quand même. Hein. Sinon, on peut creuser pour trouver des reliques. Parce que. Parce que on aime ça. Hein. On a la collectionnite de connards. Je me suis trompé de chemin? Hein? Pour la peine, je creuse une relique. Et regardez, je récupère des PV max. Ah oui, c'était à droite avec tous les pifs! Oui, non, mais je sais pourquoi j'ai fait ça. Parce que je me suis dit. Vu que je suis invincible contre les élites. Non, non, c'est bon. Je me suis dit, vu que je ne peux plus perdre. C'est bon. Vous inquiétez pas, hein? Je ne peux plus perdre, hein, c'est officiel. Alors en vrai le tour d'intangible là j'avais pas à le faire vu que de toute façon il m'attaquait pas. Vous inquiétez pas, ça me revient. Hein. Tout était prévu. Les deux ne vont pas attaquer. Donc du coup, je garde mon apparition.
Là, il y a deux écoles, hein. On pourrait mettre l'envenimement. On aurait pu juste faire ça aussi. Hein? Mais il est où mon intangible? C'est bon. Très joli coup, mon cher Michel Boujna. Il prend tous les risques. Il ne joue pas sa deuxième apparition. Oh, magnifique. Une fois de plus. Explosion de lucidité. Beau, mais c'est long. Bon, de toute façon, on a gagné. Bien sûr. Voilà. Incroyable. Lorsqu'on défausse des cartes pendant nos tours, 3 de dégâts à un ennemi aléatoire pour chaque carte défaussée, c'est fort. Ah oui, trahison plus, c'est ouais, c'est vrai, c'est du dégât inné. C'est pas mal. Ensuite on a poison et faiblesse, qui est rigolo, mais ça coûte cher poison paralysant. Sinon on pourrait évidemment passer notre tour. Mais trahison, c'est gratuit. Mais ça fait une carte c'est piochée de moins au premier tour. Joue à l'envers, c'est terrible. Oui, oui, j'en ai rien à foutre. Alors éthéré, tu la perds à tout jamais. Oui, c'est pour ça. C'est vrai. Ah oui, oui, c'est vrai, je suis con. Bon, allez, bah, du coup, je vais prendre une carte. Voilà, hein, pour bien faire chier le monde. Alors, on y est. Très bien. Alors, si j'ouvre ce coffre, je serai maudit. Ça reste entre nous. Lorsqu'on joue aucune attaque pendant le tour. Ah, voilà, ça, c'est une relique nulle. Mais au moins, avec, avec la silencieuse, ça peut fonctionner. Alors qu'avec l'Ironclad, c'est zéro. Ça reste notre petit secret, ça. Hein. On va basculer vers le magasin là. On pourrait se taper un autre élite. Hein. C'est vrai qu'on est un petit peu farceur. On aime les reliques. Mais on sait qu'au feu de camp, on peut creuser pour des reliques. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire immédiatement. Oui, mais non, je suis con. Ah oui, non, non. Oh là là, j'allais encore faire de la merde en barquette. Est-ce que j'ai envie du magasin? J'ai pas tant de thunes. Donc en fait, non. On va creuser. Début de chaque combat, gagner 1 de dextérité. C'est très bien ça. Là, on décidera après si on va faire un élite ou pas. Oula, sale combat, ça. Sale histoire. Fléchette et trahison vont le faire tomber. En vrai, ça serait sympa. Ah, très bien. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que voilà. C'est chiant, regret, parce que ça passe à travers les défenses. C'est du vrai dégât de ses mains. Oh, 21! Eh bien, non! Sur lui, non mais je suis con. Donc là j'ai pas attaqué, donc je vais avoir 5 d'énergie. Ouais, c'est ça. Hein? Mais alors là évidemment ils me disent mais pourquoi tu fais ça? Tu vas avoir que des hébétements, espèce de connard.
Et là, j'ai envie de leur dire, vous pourriez quand même utiliser un langage plus inspiré et plus sympathique. Moi, je vous traite rarement de connard. Alors que des fois... Évidemment... Des fois, oui. Évidemment que vous restez mes petits émours. Alors. Eh bien voilà. Ok. À la fin du tour, conservez jusqu'à une carte. Ça peut être très bien. Pour conserver nos cartes de mort. Alors il y a l'âme infinie du coup, parce qu'on aimerait des surins pour envenimement. De la merde en barquette. Il est trop tard pour jouer sur 1. On va jouer planification. C'est notre 36ème carte. Merci à tous. Allez, double pif. Vu que j'ai le bracelet, je peux pas avoir de combat. Je peux avoir des événements. Dormir. Bah, choisir une carte, bien sûr. Toujours plus de cartes. Acrobatie, c'est bien. Mais on les aura pas en version plus. C'est nul. Ils nous proposent pas des versions plus. Donc, qu'est-ce qu'on a de bien là-dedans? Préparatif toujours. Mais vite fait. Crive et tout. Mais STV, lol. Double trahison en début de partie, nul. Acrobatie, hein. C'est dommage de pas l'avoir en plus, mais piocher des fausses, c'est bien. Acrobatie, c'est parti. 37ème carte. Vos PV augmentent de 5, perdez 11 PV. Ouais. Flou défense, c'est pas dégueu. Flou défense, c'est pas dégueu. Ouais, clairement. En fait, je vais attendre. Ah merde! J'ai pas fait ça parce que je voulais pas piocher tout de suite le. Oh là là, ok. Je m'énerve pas. Hein. Si j'utilise plan d'évasion. Si je nique plan d'évasion. Ah putain. Ok, ma bite. Bon, c'est bon. Là, on va avoir évidemment le tour de l'invincibilité. Même deux. C'est mon cadeau à ma communauté. Je gère la carte à zéro. Est-ce que je suis un connard? Oui. Alors. C'est parti pour des bons moments de gaming. Est-ce que je veux? Oui. C'est gratuit. Pas d'attaque et 5 d'énergie au point prochain tour. Ah oui, j'ai oublié. Mais ce n'est pas grave. Vous inquiétez pas. J'ai tout prévu. En vrai, je pourrais cribler de trous. Hein. 4 x 5. Le double apparition quand même. Jouer petit sexe man. C'est pas mal de jouer petit sexe man. Juste 1. Je fais ça. Eh hey, mais je le perds. Ah bah non, il est mort, donc parfait. Hop. On est débarrassé de la magicienne. 1 x 3, super. Elle est cool ta vie. Du coup, tac. Donc 5 d'énergie au prochain tour. Bien sûr. Oui, bah de toute façon, on s'en fout. Et pour le plaisir. Pour le plaisir de l'humiliation, voilà. C'est fort en fait. Hein. On pourrait prendre. La flasque rebondissante, quoi.
Ah oui, je peux défausser les apparitions, c'est vrai. Détournement, c'est pas mal parce que c'est armure gratuite, j'ai un dex en plus. Ça va commencer à se voir quoi. Quoique j'ai de la pioche, donc un petit détournement, voilà. Ça, c'est notre petit secret. Est-ce que je me soigne ou est-ce que je creuse? Est-ce que je suis genre de connard? Là, en vrai, même pour 14 points de vie, se soigner, c'est pas déconnant. Mais bon. Ah, j'aurais le choix entre 4 cartes. Bon, c'est pas grave. Vous savez pourquoi j'ai fait ce choix-là? Déjà parce que je suis un connard. J'ai deux trucs de dextérité. Donc voilà, je suis à 5 de dextérité. Là, on va vraiment vivre un grand moment de gaming. J'ai pas un truc qui me permet... Si! Ok. Ok, c'est bon. Ne vous inquiétez pas. On va défausser apparition. Comme ça, on la conserve dans le deck. Super. Par contre, le véritable problème qu'on va avoir, c'est qu'il faut faire du dégât. Parce que j'en ai que 5 des apparitions. Donc ça sent un petit peu le plan cul. Oui, on veut qu'elle s'épuise, maladresse, donc voilà. Ok. Je vais enlever frappe. Pour avoir 5 d'énergie au prochain tour encore. Donc faut pas que je joue de neutralisation non plus. Ok. La boule magique. Ça reste de ses mains. Ça reste de ses mains. J'ai envie de jouer criblé de trous, mais faut enveniment quoi. Et j'ai pas envie de lâcher ça. Ah. Pas de soucis. Pierre move. Ouais, c'est ça. Merci. Bon, alors. Ah, voilà. La boule magique. Oh merde, j'ai pas fait plus de dagues avant. Oh là là, merci DigDig 5460 pour le Host et Nerevarin 101 pour le prime. Jace Draken pour le prime également. C'est la pire erreur, c'est ce qui va nous faire perdre le combat. C'est de ne pas avoir fait plus de dagues avant. Donc là j'en ai plus. J'en ai encore des 43 plus 20. Ah oui. Oh, ça passe tranquille je pense. Ça rase ses mains. Bon, maintenant faut accélérer le rythme. Hein.
Là par contre j'en ai plus hein. Si j'en ai peut-être un encore dans la rotation. Un dernier, pas du tout. C'est presque con de pas avoir tué le petit là. Allez, va sur le boss, ouais. Et bah voilà. Merci à tous. Je sais que personne n'a douté. C'est ça qui me fait plaisir. C'est que personne n'a douté, jamais. Alors là, ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant, à partir de maintenant... Ah oui, ça c'est formidable ça. J'ai vu un speedrun sur YouTube qui est extraordinaire, qui joue autour de cette carte. C'est très drôle. Mise à mort, c'est une autre AE. Obtenez une potion, alchimie, c'est rigolo avec le burst, vite fait. Infligez 8 dégâts deux fois, la carte inflige moins 2 dégâts à chaque fois qu'elle est utilisée. C'est bien le couteau de verre, mais... Mais pas tant que ça. Alors qu'une petite alchimie, sur des tours on s'emmerde. On passait à 39 cartes. Petit deck à 39 cartes. Non, ça m'emmerde. Non, en fait, ça c'est super fort, mais en fait, si vous avez des cartes pour tout épuiser d'un coup, défausser, piocher, défausser, genre acrobat. Plusieurs acrobaties, des préparations, etc. Vous pouvez faire en sorte, et aussi le comment dire, le well played, well planned. C'est quoi déjà en français? Je sais plus, c'est well laid plans. Vous pouvez aussi, vous savez, conserver une carte à chaque fin de tour. En fait, vous pouvez jouer deux clous du spectacle plus par exemple, et du coup balancer 100 en AOE sur un tour. Mais c'est un peu de la merde. Bref. Planification, voilà. Je vais passer. Non, ça, celui-là, j'ai le droit de l'ouvrir. Ah bah, on a bien fait de pas prendre alchimie. Parce qu'on va prendre le sosu, je pense. Ouais. On va prendre le sosu pour avoir d'énergie en plus. Tant pis pour les potions. Il nous reste quand même, on a le droit d'utiliser cette potion d'armure. Le triple pif qui nous fait de l'œil, hein. N'oublions pas qu'on ne peut plus avoir de combat sur les pifs. Mais ensuite, élite obligatoire. Ah bah de toute façon, d'accord. Pas d'embrouille. On aura au moins un. Pas de magasin sur cette route, mais moult pif sur la droite. Et des ennemis chiants. Ici c'est glamour, le double pif magasin feu de camp, mais tout ce qu'il y a avant est dégueulasse. C'est obligatoirement deux élites. Quoi qu'en vrai. Petit magasin à la fin. Là on a beaucoup de monstres hein. Bref. Et c'est vrai que je suis invincible. La cloche a été fixe. Ah oui, c'est vrai qu'on m'avait expliqué la dernière fois le... Dorondar nous avait expliqué la gruge autour de la cloche. Mais donc d'accord, ça a été arrangé. Je pense que je vais aller à gauche hein. Petit magasin. Ah oui, c'est vrai que je peux avoir un magasin dans un pif. On va peut-être droite alors. Full droit de deux élites. Est-ce qu'on a envie d'affronter deux élites? Est-ce qu'on est gourmand à ce point-là? Sinon, on pourra rebasculer là. C'est pas si fou, hein. Il y a les trois pifs au début, mais ensuite... Ouais. Ouais, droite, allez. On va jouer droite safe.
Peut-être faire une pause. En vrai, aussi. Et là, j'en ai plein le cul. J'ai pas vraiment le choix en fait. Ok. Là, c'est un tour où je peux pas faire mal. Voilà, il faudrait. J'aurais préféré un. Bref, c'est pas grave. Bon, deux tours, c'est pas mal parce que là, voilà, ils vont me réattaquer pour de vrai, c'est chiant. Ah, je suis con, j'aurais dû jouer l'autre avant. J'avais pas du tout pensé à ce scénario où je me faisais baiser. Odile de Ray. Pas le droit de la baiser? De toute façon, peu importe, je peux pas tuer l'autre. Est-ce que j'ai envie qu'il meure maintenant? Non, pas du tout en fait. Et ça sert à rien, ça fait juste tomber l'armure, d'accord. Si ça me donne un d'armure. Du coup, c'est celui du milieu seulement qui vit, hein, c'est ça? Encore? Bah c'est bon. Ah oui, d'accord, la défausse a touché donc 7, 8, bravo. Jouable si vous n'avez pas d'autres cartes en main. Mais j'y crois à mort. Détournement, acrobatie encore. Ça c'est mon cadeau à la communauté. C'est notre 39ème carte. On va faire une petite pause. J'adore les pauses. Dis-le-moi dans les commentaires si tu aimes faire des pauses de temps en temps dans ta vie. Ça c'est pas mal hein. Poser la question YouTube au bout de 2 heures de vidéo, ça c'est énorme. T'es les 2h16, oh mais quel connard, je me déteste. A tout de suite hein. Re-YouTube. Pour toi, c'est la même vidéo, mais pour nous, c'est la reprise. Full droite, donc. Retirer toutes les malédictions de mon deck. Ma foi, j'en ai deux en plus. Ouais. Merci. Ah oui, du coup, je vais pas avoir de magasin entre-temps, donc je vais avoir une malédiction ici. J'espère qu'elle sera pas terrible. En naviguant à travers l'au-delà, vous découvrez un tesseract brillant qui tourne et se déplace doucement dans les airs. Mais merde, j'ai oublié de baisser le son du jeu. Merci Nick Dor pour le Prime. Ajoutez une carte incolore à votre deck. Ajoutez deux cartes incolores à votre deck, mais perdre de la vie. Ajoutez trois cartes incolores. Les cartes incolores, c'est fort. C'est genre apothéose, panache. Est-ce qu'on va vraiment être le roi des connards? Moi je dis que là, on va nous proposer de nous full heal, en vrai. Donc c'est pas con de prendre les trois cartes. Un color quoi? Ah c'est les cartes à zéro, oui. Ah mais je choisis en plus. Oh, la détonation mentale. Ah oui, mais faudrait qu'elle soit augmentée pour être innée. Et à ce moment-là, ce serait une carte à 40 de dégâts. Du coup, pas déconnant, plutôt que de creuser pour une relique ou de se reposer, d'augmenter cette carte. Mélangez les cartes de votre défausse à votre pioche.
Piochez une carte. Infligez 5 dégâts. Choisissez jusqu'à 3 cartes à épuiser dans votre main. C'est de la merde? C'est de la marthe? Ouais, y'a folie qui est pas dégueu, mais... Un peu de la merthe. Sauf si... ouais, enfin ouais. Ah, si on veut récupérer notre défausse vite, par contre... Bon, pour l'instant, c'est pas clair. Et là, on nous propose quoi? Croche-pied, eh bien. Maître stratège est fort, hein, la pioche. Pour aller chercher... pour aller chercher nos trucs d'invincibilité, c'est bien. Croche-pied upgrade, c'est fort. Ah oui, c'est en AOE, croche-pied upgrade, c'est ça? Pas de soucis, Nigbis. Folie ou inspiration, ouais. Folie sur poison, ouais, bien sûr, mais bon. Bon, allez. Pour le lol. Là, on va me soigner, donc. Ah, j'ai une malédiction si j'ouvre ce coffre. Bon, on défausse, hein, de toute façon. Ah, maladresse, c'est cool. Lorsqu'on a plus de cartes en main, piochez une carte. La boule magique. Ça va rarement arriver. La boule magique. Non, oh là là, le con. Oh, le con du cul. 15 et 14, ça va pas tuer. Ah, mais j'ai prendre cher là, tiens. Pour l'instant, ça c'est actif, hein. Mais là, je suis obligé de jouer les deux. Ah merde, si j'avais mis le poison sur un des deux, j'aurais pu le tuer. Ah, je suis vraiment le roi des connards. Oui. Oui, je suis le roi des connards. Ah, mais c'est vrai. Ah. Du génie. Oh, le détonation mentale. On s'en fout. Ah oui, oh là là. Oh là là, ouais, ouais. Chose trappe en vrai. Hein. 41 cartes. Ah oui, c'est vrai qu'on a le feu de camp et je vais mettre ma détonation mentale upgradée. Ou salto, un petit showstrap, puis le temps qu'on en parle quand même. Petit showstrap. Salto est fort, hein, restera très fort. Petit showstrap quand même, puis le temps qu'on en parle. Et là donc, est-ce qu'on creuse? Non, on forge détonation mentale. Oh, ok. Alors lui justement, il se met invincible pendant un tour. Ah non, mais il faut que je l'aie maintenant là. Putain. J'ai aucune carte qui m'est vulnérable, en vrai. Donc autant lui envoyer tout de suite, hein. Autant jouer image miroir. Mais du coup ça me fait une carte dans la défausse, pas du tout. Bon, ce qu'il nous faut là, c'est piocher le truc invincible, hein.
Ah. Alors pourquoi on va jouer folie pour... Oui, bravo. Je m'en fous, je l'utilise. Pour piocher. Ah. J'ai mal. Donc là, on peut pas lui faire mal. Très bien. Donc là, je vais forcément avoir... voilà. Bon, faut du poison. Du poison là, parce qu'au bout d'un moment ça se voit. Ah oui, mais il met des burns, c'est vrai. Ok. Ça pourrait être sympa de trouver déflagration, burst, ouais. On s'en fout. Oui. On s'en fout. De toute façon là c'est cool, j'ai pas de brûlure. Ma souriant, le coût de service de retrait de marchand passe 50, c'est un peu tard. Ah putain, jeu de jambes, c'est vrai qu'on a jamais eu jeu de jambes quoi. Mais là, concentration plus, je veux dire, énorme. Quoique j'ai trop d'énergie. Mon problème c'est pas tant l'énergie que de piocher. Ah mais oui, j'ai la toupie. Ah ouais, c'est vrai. Putain, c'est énorme. C'est énorme. Ah non, je suis con, ça le baisse quand même, oui, bah oui. C'est juste que j'aimerais, en fait, avant d'utiliser des détonations mentales sur lui, non mais ouais. Parce que je peux tuer un, mais j'hésite à en tuer un. J'ai pas besoin d'en tuer un si jamais... parce que, ouais, quoique lui, il va se mettre de l'armure, donc c'est d'autant plus chiant.
Ok. 14 c'est bon, et sinon... sinon... Ah! C'est une blague? Visiblement. C'est chiant. Lui il va se mettre de la défense, donc c'est lui qu'il faut tuer en priorité. Donc là ça meurt, il en reste un, ouais c'est bon. Ah! Terreur, on l'a pas encore ça. Hein. Balayette plus, effort, salto, toujours plus de pioche. Là on joue sur un deck à 98 cartes. Hein. C'est vraiment pour faire chier les gens. Hein. Il y a un choix à faire entre terreur et balayette dans terreur. Hein. C'est gratuit. Bon, est-ce que j'ouvre le coffre? Oui. Lorsqu'on épuise une carte, ajoute une carte aléatoire à votre main. Oh là là. Oh, ça fait mal, hein. Ça fait mal au crâne. J'ai plus que 16 points de vie, donc même si c'est marrant d'aller chercher l'élite, là j'ai peur. Je commence à me chier un peu dans mon bénouze. Ouais, c'est ça l'ambiance, c'est ça l'ambiance. Je partageais entre tuer direct le gros mob ou tuer l'explosif tout de suite. Non mais là de toute façon il faut qu'il meure, lui il faut qu'il meure, c'est trop la merde. Non mais maintenant il explose au bout de 3 tours l'explosif, c'est ça le délire. Je peux tout jouer oui de toute façon. En vrai... Non. Ah, génial. Ah, c'est énorme. Ok. Du coup, oui, on s'en fout. Oui. Ah. Ah! J'ai pas une pioche là? Parce que de toute façon je peux tout jouer. J'aurais pas de pioche quoi qu'il arrive. Bon bah, valid time, ouais, peu importe. Ah oui, mais du coup il y a ça! Oh, c'est énorme! Cauchemar, choisissez une carte au prochain tour, gagnez 3 copies de cette carte dans votre main. LOL! Débile! Débilos. C'est pas du tout débilos. Thank you.
Très marrant quand même, c'est très marrant. Ok, bon, évidemment que c'était fini, mais c'est très marrant quoi. toujours plus de cartes. Par contre, j'ai eu mal, hein. J'ai beau être matinal, j'ai mal. On va pas aller taper l'élite, je pense quand même. On va jouer la win quoi. Oh, j'aurais dû jouer ça avant, ça tuait pareil, je suis trop en connard. Je peux pas obtenir de potions à cause du sosu. Ah, c'est Time Eater le boss là? Oh là là, oh là là, mais oui, bah je suis mort. Faut jouer que poison et trouver apparition quoi. Mais faut pas bourrer les cartes. Ça va être infernal parce que là j'ai un deck où je joue 12 000 cartes. Si vous voulez, ça va poser problème. Au bout d'un moment, ça se voit. J'ai envie de lui mettre le poison, mais je voulais faire cribler de merde sur lui là. Et d'un côté, je vais faire apparition aussi, donc tant pis. Ah oui, merde, tacticien, quel connard. Bah oui, faut pas que j'oublie que je drop toujours des cartes, toujours plus de cartes de merde. Ok. Ah oui, il va m'exploser sur la gueule lui. Ah oui, j'avais oublié ce truc. De la moule. Il nous faut de la moule tout de suite. Ah oui, non mais je m'en fous, je suis intangible. Lol. J'ai pas flou là, ça me sert à rien tout ça, mais quelle vie! C'est débilos! Insupportable! Toujours plus. Soigne-moi. Ah mais attendez, quand on les bat, on ouvre un coffre finalement? Du coup j'aurai une malédiction en plus? Ou non, c'est on termine le combat et on a une relique. En vrai ça c'est toujours skip, hein, 100%.
Mais c'est juste pour être sûr. Moi, si on ouvre un coffre, je le fais pas. Bon, c'est un loot, pas de coffre. On va mourir, hein. Oh le con, on est mort. Non, peut-être pas. 57, 71. Oh là là. Mais non, mais évidemment que j'en avais pas besoin, mais on était là pour rigoler. C'est pour rigoler. Attendez, on est forcément mort? Je pense que oui, hein. Oui, bah oui. Parce que si je peux pas tuer lui, mais en tuant lui, je suis obligé de prendre des dégâts. Toupie branche. Ah oui, c'est vrai. En fait, je peux setup un truc déjà en faisant ça. Ça. De la merde, ça. Ça va défausser un truc. Bon, autant jouer chose trap. Non, je peux pas utiliser alchimie parce que je peux pas avoir de potion avec le sosu. Faut que je trouve, faut que je pioche de toute façon, donc c'est flasque hein, qu'on vire. Acrobatie. C'est bon. Je m'en fous. Allez. Oh, Catalyse Plus.
Oh merde. Oh non, je veux pas perdre de cartes, j'en ai pas beaucoup. Évidemment. Pas de panique. Que j'ai fait de la merde. Ouais. Catalyse sans poison, quelle tristesse. Ce deck infernal. Bon, c'est chiant. Lui, en fait, le problème, c'est qu'il va... Ok. 11 et 8, 19 et chier. Le problème, c'est que lui, il va se défendre, donc... Au moins on le mérite de pas se défendre quoi. Allez, c'est jouable. Peut-être. Mais quelle vanne. C'est... J'ai fait de la bite en bois. Je suis sûr que j'ai fait de la bite en bois. Ne me le dites pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne me le dites pas. Ok. On va peut-être s'en sortir là, non? Ah, j'ai 8 d'énergie quand même. Bon. Préparatif plus, hein. 48 cartes. Le repos tant attendu du guerrier. Ah mais donc on joue Time Eater. Ah oui, je gagne que ça comme vie. Putain, je sais même pas si c'était worse. Ah, encore cette situation donc. Ok. Qu'est-ce que je fais? C'était ça qu'il fallait faire en premier. Thank you.
Ah mais non mais... Ça ne fonctionne pas comme ça. Quelle vie de merde. Mais oui, quel con. Vous inquiétez pas, hein, j'ai tout sous contrôle. On pourrait croire que je fais de la merde, mais tout est sous contrôle. Donc là, je peux jouer 3 cartes. Make it count. Mon tour va se terminer maintenant. Il faut pas que je joue 1000 cartes, ça vient de me revenir. Cherchais Burst en fait pour apparition. Oui, c'est infernal en fait. Ah merde, putain, mon nombre de cartes, quel connard. Je vais pas encore perdre un... Je vais perdre un apparition, oh là là. Oh là là. Pire boss ever. Donc non, je... Mais quoi qu'il arrive, je l'ai perdu celle-là, c'est ça qui est terrible en fait. La boule magique. Ah, c'est terrible. Ok, make it count, c'est maintenant, hein. Ok, je vais avoir 12 000 d'énergie au prochain tour. Ah oui, mais il enlève 33 et c'est fini le rêve. Faut que je survive à ce tour. Idéalement, faut que je survive à ce tour, c'est la priorité, donc... Je peux même mettre un chose trap tellement, même si c'est de la merde. Là c'est bon, j'ai de quoi me défendre. Faire chose trap, faire un préparatif. Défausser ça. Défense. Ça arrête mon tour. Hop. Ok, catalyse plus qui arrive. Ah mais je suis mort. C'est pas assez. J'ai
J'ai pas de pioche. Non mais j'ai de l'énergie encore. Ok. Je vois si on n'a pas d'autres cartes en main. Hein. Ok. Mais du coup je vais recevoir un truc là, détournement. Poignard expert. On survit. Ah mais prochain tour je peux jouer que une carte ou deux. Oh il buff. Oh il buff, c'est un miracle. Carte à défausser, stratège. Bah mon seul play c'est casque flasque rebondissante et sinon je pourrais acrobatie et t'as trouvé qu'est-ce que je pourrais trouver? Ah non, catalyste il est. Qu'est-ce que je trouve là-dedans? Détonation mentale c'est un peu tard. C'est la merde en fait, je suis quand même mort je pense. Il y avait eu un flou, mais il y aura même pas de flou dans la. Mais non mais c'est mon 78 en fait. Ah oui d'accord, j'ai mal fait mon calcul, on a gagné. Merci à tous. Ah non, c'est vrai qu'il se, c'est vrai qu'il se soigne. Mais c'est vraiment le pire boss de ma vie. C'est le pire boss de ma vie. Il se débuff tout. Ah mais oui, il fallait le tuer. Oh ma vie, c'est de la merde. Oh, j'ai complètement oublié à quel point ce boss est imbutable. Je m'excuse auprès de ma communauté. Attaque suprême, les deux attaques suprêmes vont défausser des cartes, hein, on est d'accord. Ah ouais, je peux l'oublier mon détonation mentale, à moins d'avoir de la moule de la vie, mais. C'est aléatoire quoi qu'il arrive, du coup j'ai envie de garder ma détonation mentale. Il faut que, en fait, faut que, ok, là, il faut que ça vire l'autre attaque suprême, comme ça je garde détonation mentale pour le prochain tour. Vite. Technicien et attaque suprême me mettent à 37. Là je vais prendre 39. Ah oui mais je veux terminer mon tour en plus. Donc ouais, je vais faire. Parfait, 39. Hein? Qu'est-ce que j'ai mal lu? Il attaquera à 15 x 3 peut-être. Qu'est-ce que j'ai loupé? Ah parce qu'il gagne de la force quand time's up. Putain. Quel jeu de ses morts. Ah j'avais complètement oublié à quel point ce boss il était horrible. En vrai c'était miraculeux hein, d'arriver jusque là. C'était rigolo.
Une belle VOD de 8 heures qui fail. On a failli gagner avec notre deck de 72 000 cartes. C'était rigolo. Merci Vrexlab pour le Prime. Vrexlab pour le Prime. Et Belzéput. Et Christophe pour les 500 bitcoins. Et Fallen Blood qui a fêté son siècle. Oui. Secret of Mana. Incroyable, n'est-ce pas? Merci Bibi et Glaspilé pour les hosts. J'ai dû louper plein de monde en fait. Skull qui a offert un sub à Nick Beast d'ailleurs, qui disait où elle allait sub bientôt. Merci beaucoup. MFMR, Bureau Nixu qui a Prime. Bon, c'était rigolo. Des bisous YouTube. Hein. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, activer la cloche à vache pour peut-être jouer une game de Fortnite avec Gotaga. Mais c'est pas une info sûre.